Et salut à tous les amis, je suis Gultour Barbefer. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, car aujourd'hui on continue notre aventure de WRPG, donc épisode 62, 3, je ne sais plus, ça n'est pas grave. Bon, c'est un truc dans ces eaux-là, et donc on est... Ah oui, découvert la zone, c'est vrai que oui, on n'a pas été ici. On est donc dans cette super zone, là où il y a cette grande fissure qui s'appelle là... Comment ils appellent ça d'ailleurs? Je crois que... Je sais plus comment ils l'appellent, mais c'était une zone de PVP qui était vraiment cool avec voilà le truc de la Horde ici, le truc de l'Alliance de l'autre côté. C'était pas la faille ou... Je ne sais plus. Bref, donc oui, dans cette super zone, on a appris beaucoup lors du dernier épisode avec Naralex, qui nous a expliqué qu'est-ce qui s'était passé, que suite au cataclysme, la Terre s'était déchirée, qu'il y avait l'eau corrompue qui commençait à se balader de partout. Résultat, des animaux tentacules. Voilà, en résumé, ce qui s'est passé. Ah non, c'est vrai, oui. Et on avait parlé à un général ultra charismatique que j'aimais beaucoup, quelqu'un qui avait l'air très très juste, mais aussi à une espèce de fouine qui était son négociateur conseiller, je ne sais plus exactement, enfin plus négociateur qu'autre chose, qu'on avait sauvé là-bas de la forêt, hein, de la forêt qui était avec les hommes cochons, on l'avait libéré, et il nous demandait d'aller faire des quêtes un peu en douce, il nous dit « Ouais, non, mais explique pas au général, lui en parle pas, fais ce que je te dis. » Et à la fin, il nous a parlé de peine de mort un peu bizarre, donc je suis inquiet pour le général, mais on va se renseigner un petit peu plus en allant donc là-dedans. Allez, let's go! Let's go, let's go! Je vois qu'il y a des gobelins qui commencent à faire un peu chier, mais bon, c'est pas très très grave. Ah oui! Autre chose aussi, quelqu'un m'a demandé de montrer les statistiques de mon personnage. Donc les voici. Donc force 373, endurance 542, armure 463, j'ai 9% de critique, 10% de hâte, 1% polyvalence, 3% esquive, 8 parades et 18 de blocage. Donc c'est pas des grosses stats, mais en même temps c'est normal, hein, parce qu'on n'est pas très haut niveau, on est 65. Et encore, on a du stuff héritage qui nous booste quand même plutôt pas mal. Mais voilà. Donc voici les statistiques. On me l'avait demandé en commentaire, donc je le montre. Allez go. Allez go go go. On va prendre un petit... Ah oui, mais tiens, on va prendre un mammouth. J'ai des trucs à vendre normalement. J'ai des trucs à vendre, effectivement. J'ai des trucs à vendre, on va se débarrasser de toutes ces conneries. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'objets de craft, comme d'habitude. Vous connaissez. Non, c'est bon. Hop. Ouais, non, réparer, on s'en fout. J'ai combien d'or sur moi? 534, eh, mine de rien. Ça monte, hein. En faisant les quêtes à droite à gauche, bon, évidemment, ça va être exponentiel. C'est pas là où on gagne le plus, mais on commence à gagner une PO par-ci par-là. Après, ce sera débile, on va gagner des centaines de PO, ce sera assez marrant. Mais bon, alors, voici le fort. Donc le fort triomphe. Très bien. Donc déjà, oh, un nain. Déjà, ça me plaît. Logan frappe serre. Ça a l'air d'être un chaman, chamélio même, je dirais. Donc il faut qu'on parle au commandant. Donc le commandant Robert, c'est là-bas. Mais il doit y avoir le général dans les environs. Baron, bon, on va voir. Ici, on a qui? Mizi, Malta, oui, encore un gobelin. Bon alors, mon cher nain, comment allez-vous? Salutatia! Alors, pourquoi le haut commandement a décidé qu'une termitière de Célitide était l'endroit rêvé pour construire une forteresse? Ça, je ne le saurai jamais. Ces sales insectes creusent des galeries sous nos fortifications et retardent le calendrier de nos opérations. Nous devons les éradiquer. Prenez ce seau de poids ardente et jetez-en sur les antres de Silitide juste de l'autre côté de la porte principale. Il ressemble à de gros tas de sable. Tuez tout ce qui en sort, mais restez prudent, Goltor. Ces saletés se mettront à plusieurs pour vous dévorer quand vous bouterez le feu à leur habitat. Ok. Bon, on va dératiser, entre guillemets. Alors, une gnome. J'aimerais bien avoir des armes comme ça, une grosse arme clé à molette et tout, ça peut être vraiment marrant. Je sais qu'il y en a, hein, des skins comme ça, mais pas comme je le voudrais. Alors, ces engins de siège nains sont trop encombrants pour les combats rapprochés de la balafre. La balafre, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est vrai. J'ai décidé de nouveaux modèles que j'aimerais tester en conditions réelles. Mais pour cela, il va me falloir des pièces détachées. Il y a plein d'épaves éparpillées dans la balafre. Tout ce qu'il me manque, c'est un paladin dynamique et qui irait me les chercher. Vous voyez de qui je veux parler? Tout à fait, ma belle. C'est de vous que je parle, Goltor. Évidemment, j'avais compris. Allez, ça marche. J'aime bien comment elle annonce le truc. D'un paladin dynamique, un paladin nain qui aime foutre le feu à tout ce qui bouge. Alors, mon cher commandant. Salutations. C'est pas le général, hein. Rendez-vous à Fort Triomphe.
Vous avez entendu? Le général n'est jamais arrivé. Oh merde. Putain, je savais que ça puait ce truc. Oh, il s'est fait assassiner en race campagne comme un vulgaire chien. Mais non. S'il avait été encore vivant pour se venger lui-même, le général Hawthorn aurait sans aucun doute ordonné des mesures de représailles aux proportions titanesques. Vous avez certainement raison, Trask. Putain, je savais que ça sentait mauvais. Il s'est fait assassiner par l'autre enculé, là. Ça va chier. Depuis sa place forte à l'ouest, la Horde a réussi à briser notre avancée. Notre avance, plutôt, oui. Mais le combat continue, même si la terre se déchire sous nos pieds. Quelqu'un doit débloquer cette impasse. Je veux que vous alliez dans la balafre et que vous y aidiez mes hommes à broyer la résistance de la Horde. Au centre de la balafre, vous trouvez un drapeau aux couleurs de celui qui la contrôle. Allez reconnaître la zone où se trouve le drapeau. Ça vaut la peine de revendiquer la balafre au nom de l'Alliance, si nos adversaires ne l'ont pas déjà conquise. Ouais, mais on va faire ça, ouais. Oh putain, il s'est fait tuer, j'en ai marre. Putain. Messager de Fort Triomphe. Ah. Ah, peut-être. Ah non. Ok. J'ai dit pareil, il va y avoir un truc, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon. Eh bien, on a tapé des hordes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, hein? Bon. Fais chier. Mais c'est 100% l'autre qui l'a tué, en plus. Mais milliards de pourcents, c'est lui. Parce que comme par hasard, il est pas là. Hein. Ah, t'inquiète. J'espère qu'on va mener une enquête et le retrouver et lui faire les fesses. Parce que voilà. Alors, bon, on a 10 mecs de la Horde à tabasser. On a des pièces détachées un petit peu partout. Parfait. Et on est censé avoir un drapeau pour contrôler la zone. Parce que là, voilà. C'est... Ah oui, les cinétides qu'il faut situer. On a plein de choses hein, à faire, hein, mine de rien. C'est musique. Ah non, c'est un assassin de l'Alliance. Un agent des Tarides. Je ne vois pas de drapeau, hein, aux couleurs de celui qui tient la zone. Ah, mais là! Ah mais c'est l'Alliance qui a la zone, d'accord. Ça marche. Ok. Eh, ça marchait pas, j'en étais sûr. Quand on les a comme ça qui courent, hein, non ciblables, généralement ça veut dire qu'on peut pas les... Hein. C'est pas généralement, c'est même tout le temps. Ça veut dire qu'on peut pas les tabasser. Tiens, arrête de faire la mariole, toi. Ok, on commence à avoir quelques petits hordes qui traînent. Qu'est-ce que j'ai pu me friter dans cette zone, putain. Ça commence à dater, hein, cette histoire, hein. Putain, cataclysme, putain, ça fait un bail, hein. Ça fait un bail, et dans pas longtemps, il va y avoir d'ailleurs l'extension Battle for Azeroth. Je ne sais même pas, je vais pas vous mentir, je ne sais même pas si je vais la faire avec mon perso, un perso level max. Je sais même pas encore. Franchement, c'est, j'ai aucune idée. Il faudrait hein, que je le fasse, mais je prends, comme je vous l'ai déjà dit, je prends trop de plaisir à jouer avec ce petit perso là, avec Goltor. Et retomber dans le mode, allez, faut avancer, les mecs ils vont pas avoir le temps dans les donjons, ils vont rusher comme c'est pas permis. Ça risque de m'emmerder. Bon après, il faudrait que je le fasse parce que dans le sens où si jamais il y a des montures cachées ou autres, des petits secrets que j'aimais beaucoup... Dans Légion, hein. C'est pour ça que je trouve que c'est une extension génialissime cette extension là. Et normalement ça devrait être le cas dans Battle for Azeroth, à mon avis ils ont dû aussi rajouter encore des trucs comme ça parce que ça a plu à beaucoup de gens, le fait d'avoir des petits trucs planqués. Ça serait bien que j'ai un perso au niveau pour pouvoir vous faire des vidéos dessus si jamais ça sort, mais voilà, pour l'instant je suis indécis, je ne sais pas encore. C'est censé être là le... Autour de Fort Triomphe. Non mais c'est autour, c'est pas là-dedans. Donc je vais voir.
Attends, mais je comprends pas. Ah, non. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est dedans. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait les quêtes en question. Il a dit que ça creusait dessous les fondations et ça foutait la merde. Mais je ne vois pas les fameux tas de sable comme il disait. Attends, mais je dois l'utiliser n'importe où. Mais non, je peux l'utiliser n'importe où, on est d'accord. Attends, oui. Voilà. Requiert entre des silicides. Mais je suis bigleux ou... Attendez, mais... doit être par là, forcément. C'est quoi ça? Ah, un sapeur qui est mort. Bah non, je ne vois pas de... Quoi? Comment ça? Mais j'ai débile, il n'y avait pas de... Ah, juste comme ça, au pif. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, ah ouais, ok d'accord. Mais moi je cherchais un tas de trucs, moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je cherchais un truc physique, enfin quelque chose qui montrait que... En fait c'est ça là, c'est ces trucs. Ah d'accord, c'est ça. Putain, on aurait dit des roches. Mais c'est des roches. C'est des... Oh merde. Bon. C'est pas très grave. Voilà. Ok. Et je crois que la personne là qui vient de faire le truc devait pas savoir non plus. Parce qu'elle a lancé juste après moi. Enfin. C'était pas très très clair cette quête. C'est pas très grave. Comment se passe le combat, Goldor? Mais très très bien. Tiens. J'ai tout cramé. Ça devrait régler notre problème de nuisibles pour un certain temps. Ils auront fort à faire pour sortir de ça. Pouvez-vous m'accorder une immense faveur, Goldor? L'oncle de ma belle-sœur appartient au cercle terrestre, et il se trouve actuellement dans les Tarides, où il étudie l'impact du cataclysme, à la halte de Pierrefeu, au sud. Il dit que leur camp est encerclé par les Uranes, et je crains qu'il ne soit submergé. Pourriez-vous aller vérifier pour moi que Dom Terre Rouge va bien? Il appartient à ma famille, et je ne voudrais surtout pas qu'il lui arrive quelque chose. Putain, Dom, ça me rappelle... Ah non, Dorne. Dorne. Dom, ça me rappelle Dominique Santiago, Santiago de Gears of War. Salut. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi? Mais tiens, toutes les pièces que tu m'avais demandées. Oh, voyez-vous ça? Un collecteur d'échappement presque complet, une boîte de dérivation réciproque, un différentiel de friction à contrepoids. Vous connaissez votre affaire, dites donc, Goldor. T'as vu un peu? Nos livraisons de salpêtre en provenance d'Aprofrange sont interrompues, ce qui veut dire que nous ne pouvons plus fabriquer notre propre poudre à canon ici. Mais je peux réadapter notre arsenal pour pouvoir utiliser de la poudre explose des gobelins. C'est un explosif dangereux, instable, irritant et toxique, hein, si on en avale. Mais je pense que ça conviendra. Mettez la main sur un baril de cette poudre en attaquant un des artificiers gobelins qui prennent nos murs d'assaut. Ok. On va s'en occuper. Putain, dis-moi que toi tu vas me donner une quête pour trouver l'assassin du général, s'il te plaît. Honneur au roi. Quel travail incroyable, Goldor. Mes hommes rapportent une percée. Leur bastion ne tiendra plus longtemps. Allez. L'Alliance a une dette envers les nains de Baal-Modan, qui ont construit quelques-unes de nos toutes premières fortifications dans les Tarides. Leur commandant, le général Double Nat, fait preuve d'une loyauté à toute épreuve. Il est en patrouille au sud, où il tient la dragée haute à la Horde. Je veux absolument connaître son avis sur la situation ici, afin de coordonner notre prochaine manœuvre. Pouvez-vous aller dans sa zone de patrouille pour lui remettre ce rapport du front? Et oui, allez, oui, tout à fait. Par contre, toujours pas de quête avec... bon, tant pis. Tant pis. Alors, ah, mais tiens, voilà. Oh, ne passerai pas. Tiens, dans ta gueule. J'en tue un deuxième parce que ça me fait plaisir. On va lui ramener de suite le tonneau. De poudre, comme ça c'est fait. Quête rapido. Sont stylés les montures, hein, quand même. Pas à chier. Hein. C'est quelle monture, celle-là? Mais non, mais...
Ah non, mais c'est une elfe du vide. Putain, ouais. C'est déjà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se baladent avec les grâces. Enfin bref. Vous avez déjà trouvé le baril de poudre explose? Oui. En tout cas, quand vous l'aurez, ne le secouez pas. Non, non, mais t'inquiète, on va pas le secouer. Impeccable. Déposez le baril juste ici. Je vais préparer quelques charges explosives dès que j'aurai enfilé mon scaphandre intégral de démineur. Ça fait tout péter. Bon, très bien. Avec des pièces détachées que vous m'avez trouvées, j'ai pu bricoler, tant bien que mal, un châssis pour ma nouvelle plateforme d'assaut polyvalente. Il ne me reste plus qu'à trouver une source d'énergie compacte. J'ai remarqué que, d'un point de vue électrostatique, la faune sauvage indigène dispose de sacrées ressources. Pourriez-vous aller à la chasse aux têtes tonnerres aux alentours et me rapporter un électrogésie intact? Vous devrez peut-être en tuer plusieurs avant de pouvoir prélever une glande utilisable. Ok, donc on va tuer les fameux monstres que j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui l'a dressé là. Je vois, à chaque fois on passe devant. Il a dressé un kodo. C'est pas un kodo, mais bref, c'est un dos tempête. C'est un elfe de quoi ça? Ah non, elfe de la nuit. Non, après, ils sont sages. Il n'y a pas tout le monde qui a pris la race des elfes du vide. Mais enfin, il faut quand même avouer que la race des elfes du vide, elle est complètement pétée. Hein, vraiment. Et d'ailleurs, pour ça, je risque de jouer en fait hein, dans l'extension, comme je me tâtais tout à l'heure, mais je vais être obligé. Ne serait-ce que pour débloquer les nains. Les nains sombre fer, hein. Je veux devenir un nain sombre fer avec Goltor, et on deviendra un nain sombre fer avec Goltor, ça c'est sûr. Donc, il va falloir que je monte les réputations, tout ce qui s'ensuit, blablabla. Mais je vous avoue que j'ai vraiment pas très envie, hein. C'est même pas envie du tout, hein, je vais pas vous mentir. Pour l'instant, c'est loin d'être le truc que je vais y faire. En plus, le problème qu'il y a, encore une fois, c'est que voilà, ça va prendre du temps. Et ce fameux temps, ça va être du jeu en ligne, donc du coup pas de plot pendant ça, donc bref, ça fait un peu chier. Donc je pense pas que je risque de faire l'extension Day One avec mon perso au level. Ça dépend, si Kalen est chaud pour y jouer, ce que j'avais compris apparemment il l'était. Et s'il y a d'autres personnes aussi, s'il y a la guilde dans laquelle je suis avec Ymir, se relance et tout là-dedans. Il y a des chances que je m'y mette, mais sinon je vais jouer qu'avec Goltor, je pense, avec le petit. Pour faire les fameux WRPG dans lesquels je prends un pied monumental. Alors, ça va être un avantage évolutif considérable de pouvoir envoyer des éclairs avec sa tête. Ouais, si tu le dis. Vous tendez le gésier à Mizi, mais il lui envoie une décharge électrique avant même qu'elle ne l'ait touché, la projetant par terre. Oh mince! Aïe! Waouh! C'est puissant! J'adore ça! Complètement taré. Merci Goltor, maintenant je peux commencer le montage final. Qu'est-ce que... D'accord. Oh! Oh mais c'est trop stylé! Alors, structure, ok. Alimentation, ok. Danger, ok. Et encore, ok. Déchaînons notre chef-d'œuvre. Ouais, mais il est un petit peu... non? Baliversé! La miniaturisation est l'avenir de la guerre! au fait, j'ai remonté le bloc de transmission à l'enfer pour régler le problème de la différence de taille. Mais what? Mais non, mais ils sont morts. Mais putain, mais quel est con. Ah putain, trois travailleurs morts, voilà. Et un nain à moitié sonné. À cause d'une connerie. D'une gobeline en même temps, hein. Les gobelins, c'est toujours, toujours le cas. Hein. Ils font toujours des conneries. Donc, je vérifie qu'il n'y avait pas une quête sur le chemin. Hein, parce que je veux savoir ce qui est arrivé au général, putain. Ça, ça me fait chier, hein, s'ils disent rien et qu'ils le laissent juste se faire assassiner comme ça. Ça va m'emmerder. J'aimerais bien cuisiner l'autre un petit peu façon. Voilà. Façon Carpaccio. Parce que merde. Perdre un général comme ça, quoi. Je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. Bon alors, le général double nat est là, il y a tous les nains à côté, très bien. Et on a Hurlstone, jette pierre, d'accord. Bon, général. Que puis-je pour vous ? J'espère que tu vas être aussi bien que l'autre. Bienvenue au front, paladin. Impossible de se faire une vraie idée de la situation tactique quand on reste bien à l'abri dans une forteresse toute la journée. Je préfère toujours venir me mettre un peu dans la boue, un peu de boue sur les bottes, évidemment. Hein, des nouvelles de la forteresse ? Bien, à coucher ! Le général lit le rapport et hoche la tête en signe d'approbation en apprenant les nouvelles de la balafre. Vous vous êtes fait une jolie réputation ici dans les Tarides, Goltor. Mais Roberts ne va pas assez loin. C'est une victoire décisive dont nous avons besoin.
Gardez les pieds sur terre. Une patrouille sans histoire aujourd'hui, et c'est ça qui m'inquiète, Goltor. Depuis que l'Alliance a saccagé Torajo, plus aucune de nos positions n'est sûre. Vous avez l'air de savoir vous débrouiller, vous pourriez faire un peu de reconnaissance pour moi? Allez voir Marley, mon fils. Il est à l'intérieur des excavations de Baal-Modad, au sud-est. Ce site est très exposé aux expéditions punitives de la Horde, et mon fiston est trop fier pour envoyer chercher de l'aide quand il en a besoin. Ah, un bon nain comme on les aime aussi encore. Bonjour. Quand on patrouille avec Double Nat, on se retrouve toujours au beau milieu du danger. Quand ce n'est pas une embuscade de la Horde, c'est une mission suicide contre les Uran. Le problème, ce sont ces gros sacs à puces de Kodo Vibrotaire, de grosses boules de poils ambulantes qui font trembler le sol. À cause d'eux, si une embuscade essayait de nous prendre à revers, on ne l'entendrait pas arriver. Allez les effrayer qu'ils s'éloignent de notre patrouille, en tuer quelques-uns devrait suffire à les repousser, le troupeau vers le sud à l'écart de notre zone. Ah, une épée jette-pierre, une épée à deux mains, évidemment. À très bientôt. Bon. Pas ouf. Mais on commence à avoir des trucs sur le fait d'explorer un peu plus la zone. Et peut-être qu'on va en apprendre un peu sur le général. Je veux en apprendre. Je serais tellement énervé de ne pas avoir de nouvelles par rapport à ça. D'étranges crains, pas mal de conneries. On a quoi ici? On a un faucon. Ok. Bon. On va prendre la monture, ça me semble... Ah bah tiens, juste au moment où j'y ça me semble être dispersé. Mais regarde, boum. Pourquoi lui il est... Ah, il faut que je le bute aussi. Ah, parce que c'était les codotres classiques et là c'est le mal. Pourquoi pas. Hop. Et on ramasse plein de viande, hein. Allez, il en reste plus qu'un. Ah, c'est un hors deux qui le tape. C'est un hors deux. En même temps, c'est normal, hein, on a plus de trucs de la horde ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Abomination de Gov. What the fuck? Qu'est-ce que ça fout ici? Que fout une abomination dans... Hein? Je... Ok. Ok. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle foutait là, ce truc-là. Mais c'est pas très grave. Allons rendre ça. Bah alors, on peut pas voler? Ah! Putain, mais il fait chier, il se fait tabasser. Comment ça fuit? Allez, revenez s'il vous plaît, il faut que je valide les quêtes là. Revenez! Ah putain, les cons. Bon, moi il déconne zéro, hein. Dès qu'il voit un ami. Ah, let's go! Calmez-vous, non! Allez. Que puis-je faire pour vous? Il semblerait bien que vous étiez à l'origine de ces nuages de poussière que j'ai vus à l'est. Joli travail! Ces taureaux, c'est pas des tendres. C'est pas des taureaux, mais bon, c'est pas des trucs. Ok. Bon, allons voir son fils, j'imagine. Voilà, c'est le fils, et ici... Ah non, c'est après. On va voir ce qui se passe d'abord dans ces trucs. Niveau exploration, est-ce qu'on a tout fait? Je ne pense pas. Il va falloir qu'on surveille ça aussi, hein, pour faire l'exploration de tous les trucs. Magnifique ce petit fort-là. Ben c'est justement le fort où il va falloir qu'on se rende, j'imagine. Bien le bonjour, monsieur, dame. Ah, mais c'est le cercle terrestre. D'accord. Dorne est ici. Et donc l'autre est là-bas au fond. Ça marche. Bon, Dorne. Un plaisir de vous. Comment ça va? Nous faisons notre possible pour soigner la terre brisée. C'était déjà bien assez difficile avant le début des attaques nocturnes. Vous n'êtes pas censé être un genre de peuple neutre, on va dire, le cercle terrestre. Normalement, la horde devrait pas vous taper, enfin... Bref. Quoi? Le petit Logan croit que j'ai besoin de protection? Mais c'est moi qui le protège! Les Uran sont déchaînés par ici. Ils ont déjà envahi tout le sud, et nous sommes le seul obstacle sur leur chemin. Gardez les pieds sur terre! Un instant, paladin. Nous avons d'autres problèmes. À côté de la fin du monde telle qu'on la connaît, les Uran menacent notre action dans la région. Naturellement, nous nous contentons de les ignorer quand ils se tiennent tranquilles dans le Kral. Mais ils se rapprochent de notre camp un peu plus chaque jour.
Maka, loué soit son cœur vert, ne pardonnerait jamais si j'allais caresser les côtes des Hurans moi-même. Mais si vous, vous pouviez repousser des individus qui s'approchaient trop près de notre camp, je vous serais vraiment reconnaissant. Portez-vous bien. Et voilà, il y a des Tauren et tout, donc ils sont censés être neutres. Ah non, mais ils se font attaquer par les... oui, d'accord, par les autres. Nous sommes ici pour mesurer l'ampleur des blessures de la Terre, pour guetter de nouveaux signes d'instabilité. Nous n'en avons pas encore vu, mais une réplique du cataclysme pourrait dévaster les terres, les Tarides encore plus profondément. Au nord-est, près du gouffre, des élémentaires de Terre hors de contrôle sèment le chaos. Pour apaiser la Terre, ils doivent être détruits de temps à autre, et leur essence retournée à la Terre lors d'un rituel. Si vous nous aidez à récolter leur essence, paladin, je me ferai une joie de vous récompenser. Allez, bah écoute, si tu parles comme ça, moi je vais être vite d'accord. Alors, Maka, la fureur de Mankirk, déclenchée par la mort de sa femme, suscite l'inquiétude, paladin. Les Hurans du Kraal de Trancheboj sont bien plus impitoyables et pleins de haine que Mankirk ne peut l'imaginer. Vous devriez vous rendre sur place en prenant vers le sud et parler à mon vieil ami, Sim de Pierre le Vieil. Il tente de les empêcher de tout saccager avant que la Terre, déjà affaiblie, ne souffre plus qu'elle ne peut le supporter. Adieu. Qui est Mankirk? Je ne sais pas qui est cette personne dont elle parle. Je ne sais pas du tout. Du tout. Fragment de pierre perturbé, Uran... Ok, d'accord. Donc on doit encore massacrer des trucs. Bon, pour l'instant, c'est pas fameux, hein. Pas fameux du tout. Niveau quête, mais c'est normal, hein. On va tout le temps avoir des trucs sympas. Et plus ça avance, plus je me dis qu'en fait, notre suite de quête par rapport à l'assassinat du général, on va pouvoir se la foutre bien profond. Et à mon avis, il va rien avoir à ce sujet. Et ça me chagrine. Mais bon, tant pis. Il faudra vivre avec. En disant qu'il a été lâchement assassiné par cet enfoiré. Mais que je ne peux pas, en savoir plus, ni ne se venger. Tant pis. Allez, donc il nous reste encore un à tuer là. Ensuite, on va aller tuer les Hurans. Ah merde. Bien évidemment, il ne va pas lâcher l'essence. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Ok, 4 sur 4, parfait. Donc, allons tuer cela. Hop. Bon, beaucoup de quêtes FedEx, hein. C'est vrai que là... Ça nous balance des noms de perso, on sait même pas qui c'est, Mankirk, je ne sais plus. Ça y est, j'ai déjà oublié son nom, hein, pour vous dire à quel point je m'en contrebalançais les couilles. Mais bah, apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un de puissant, parce qu'elle a dit même lui, je sais pas quoi. Donc, bon. Oh, une quête! Le sang des Tarides. Cette pierre rouge vif que vous avez trouvée, serrée dans le poing d'un Huron, a été soigneusement taillée à l'effigie d'un grand sanglier dont les crins se transforment en lianes épineuses. Sa surface est lisse et délicatement polie. Est-ce que cette pierre est l'œuvre des Hurans? Si vous en trouviez d'autres, peut-être que qu'un des chamans de la halte de Pierre-Feu pourrait vous en dire plus à leur sujet. Ah. Alors comme ça, bande de petits cons, on cache des pierres. Bon, après je sais pas trop à quoi ça pourrait servir, franchement. Moins que ce soit pour une magie quelconque. Mais sinon, je vois pas trop à quoi ça pourrait leur servir, ces fameuses pierres. Pierre nécessaire. Ça me rappelle Stronghold. Alors Stronghold, j'ai essayé de le faire en play for fun. Malheureusement, le jeu est dégueulasse, hein, il rame à mort et tout, alors que bon, hein, c'est un très vieux jeu. Mais encore une fois, merci Steam pour le portage des vieux jeux qui font ça d'ailleurs, ils font ça à l'arrache. Alors c'est pas la faute de Steam eux-mêmes, hein, mais des devs qui ont fait ça. Le fameux Stronghold HD, un jeu sur lequel, enfin Stronghold tout court, sur lequel j'ai passé un temps colossal. À l'époque, l'un de mes tout premiers jeux de stratégie que j'ai poncé. Et il y a toujours des phrases hein, qui me sont restées hein, en tête. C'était vraiment un très 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 bon jeu. Je vais essayer de faire mon possible pour régler ça, mais voilà, à chaque fois que tu prends un vieux jeu, que tu veux le mettre sur Steam et que tu veux le lancer, ben ça rame, ça plante, ça c'est vraiment trop chiant. C'est très très frustrant. Bon après. Le jeu, je l'ai payé que dalle, hein, mais ça n'empêche que ça, quand même, ça fait chier, quoi. Quand t'achètes un jeu, t'aimerais qu'il fonctionne bien. Et là, ça n'est pas le cas. Mais il faudrait vraiment que je vous le montre, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Très, 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 très bon.
franchement très 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 bon, avec ce truc en plus, ce ton décalé, c'était hyper comique, j'aimais beaucoup. Il se prenait pas au sérieux dans l'histoire et ça faisait vraiment plaisir. Allez. Oh, elle est belle cette monture, c'est quoi cette monture? Faucon dragon. Ah oui, c'est quand t'as les, je sais plus combien de montures, c'est ça je crois. Il me semble. Ah, de l'argent, ça par contre je prends. Hop. Impeccable. On se fait pas mal de ressources, hein, mine de rien. On commence à avoir pas mal de... Putain, il faut que je fasse, mais... putain, il faut que... Bon, je le ferai quand je serai level up. Je vais pour l'instant laisser tomber ça, mais les comment ça s'appelle? Cœur du magma et tout le bordel, pour les armes légendaires. Mais quand j'arriverai à me le soloter... Pour l'instant, je peux pas me le soloter et ça m'embête de demander de l'aide aux gens. Surtout que les gens ne sont pas tout le temps là, ce qui est tout à fait normal. Je vais pas les faire chier pour les... Oh, tiens, un autre nain. Une naine. Attendez, je me fais beau. Bonjour, madame. Comment allez-vous? D'accord. Bon, allez, dorme. Vous avez toute ma gratitude et même celle du cercle terrestre tout entier. Peut-être qu'un jour, on trouvera un moyen de négocier avec ces pourceaux. Mais on ne peut pas guérir la Terre si on meurt dans notre sommeil. On avait l'habitude de passer du temps au camp Torajo. Elle m'a parlé d'un Huron appelé Mutildan qui était retenu prisonnier. Il est anormalement intelligent pour quelqu'un de son espèce. Quand j'essaye de trouver pourquoi les Hurans sont tellement remontés ces derniers temps, je me dis que c'est peut-être parce que Mutildan est parvenu à s'évader de Torajo. Si c'est le cas, c'est certainement lui qui mène la danse chez les Hurans. Il y a une grande hutte dans les collines au nord-ouest. Si vous y trouvez Mutildan, tuez-le. Ah oui, d'accord. Amulette. On doit le tuer. Très bien. Faire un saluer. Hop. Ah, elle me lance un bougeant enthousiaste. L'équilibre entre les éléments doit être parfait. C'est pourquoi il est si important de rendre l'essence à la terre. J'espère que vous l'avez obtenu. Oui. Voici. Merci, mon avis. Il est essentiel que nous apaisons la terre de toutes les manières possibles. J'imagine que c'est une manière quelconque. Donc toi, on va te donner donc ces fameuses pierres. Oui. Voilà. Ce sont des joyaux de sang. On en trouvait partout dans les taris d'autrefois. On raconte qu'ils proviennent du sang d'Agamagan. Ok. Le grand demi-dieu qui a donné naissance aux Hurans. Je sais qu'ils y attachent une grande valeur, mais il est difficile de croire qu'ils sont capables de prendre le temps et le soin d'en façonner comme celui-ci. Nous pourrions peut-être en apprendre davantage. Je pense que les agissements des Hurans sont motivés par autre chose qu'un simple instinct bestial. Pouvez-vous m'aider à éclaircir la question? Avec grand plaisir. À l'ouest, j'ai remarqué que les crânes de sangliers étaient éparpillés dans les villages et campements Hurans. On peut les voir briller de loin car ils sont soigneusement polis et se détachent nettement au milieu de tas d'ordures. Je pense que ce sont des objets de culte. Apportez-moi quelques-uns des crânes pour que je les examine, Goltor. Ok. Bien, madame. Alors. Hop. Donc allons chercher ces crânes. Encore une fois, qui est un peu FedEx, un peu par-ci par-là. On n'apprend pas grand-chose sur le lore. Pour l'instant, c'est juste des petites querelles et des petites quêtes à droite à gauche pour rendre service, mais rien de bien épique. Donc on va leur piller hein, leurs objets de culte. On leur a piqué déjà leur collier, enfin leur pierre. T'imagines les mecs qui se baladent avec un portefeuille, mais il est bizarre ce portefeuille. Tu le tabasses, tu récupères son portefeuille, tu tabasses 80 personnes autour de lui pour récupérer les trucs. Et après tu vas carrément leur piquer voilà, les objets de culte, en mode aucun respect. Merci d'avoir nettoyé les monstres en fait. C'est quoi comme gisement ça? Fer, non le fer je m'en fous. Alors, où est notre cher Mutildan? Donc c'est quoi, Mutildan c'est le chef j'imagine? Ouais d'accord, ok. Celui qui casse les couilles à tout le monde. Alors est-ce qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant? Genre voyons, tiens je te fais un fuck. Je dis quoi? Non il dit rien. Ok. Il ne dit rien. Je pensais qu'il allait dire quelque chose en mode, je sais pas... Vous nous avez envahi, du coup je vais purifier, bref, quelque chose, enfin je sais pas. Il nous explique pourquoi il était pas content, là on n'en sait pas plus du coup.
Je me tâte aussi à faire le prochain épisode là pendant la nuit, parce que le dernier épisode c'était vraiment beau. C'était vraiment ultra stylé. Là, de jour, c'est sympa, mais c'est pas pareil. Hein. Donc, pareil, j'attendrai ce soir là. Et là, je vais tourner pareil du Mass Effect et des vieux jeux. C'est mystérieux, j'en ai quelques-uns là sous la main qu'il faut que je fasse. Et après, pareil, ce soir, je reprendrai le tournage des ORPG. Ça pourrait être sympa, tiens. Je vais voir ça. Vous avez les crânes? Oui, les voici. Oui, ce sont manifestement des représentations d'Agamagan. Okay. Mais si les Uran adorent toujours leur dieu mort, d'où leur vient cette agressivité sournoise? On dit qu'Amagamag était noble, et qu'il est même, qu'il s'est même sacrifié en combattant la Légion Ardente. Ah ouais. Un instant, Goltor. Nous devons nous concerter avec les esprits. Aidez-moi, mes enfants. Faisons appel aux esprits qui nous prêtent vision. Agamagan ne se relèvera pas sans un flot de sang. Ses restes exigent un sacrifice. Allez, partez reconquérir nos terres quand nous... Quand toutes appartiendront aux Uran, nous serons libérés et Agamagan se relèvera. Cela, il me l'a dit lui-même, allez et tuez. Je vois. Elle les utilise pour les manipuler tous. Mais de qui ? Vision de Charlga. Bon, je sais pas qui c'est, toutes ces personnes, ça m'emmerde. En plus, ils ont des noms imprononçables. C'est un soulagement. Peut-être que le reste de Uran se tiendra tranquille désormais. Moins on se bat dans le coin, mieux c'est. Ouais, c'est ça. Allez, fermez-la. Allez tous vous faire foutre. Commencez à m'emmerder. Vos quêtes de merde. Bon, ça c'est fait. Donc, du coup, il ne reste plus qu'une. Si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, on est au dernier chapitre. Fort Triomphe. Et normalement, ça va être en. Et dans le frangin. Quand je dis dans le frangin, c'est en voyant ce qu'il aurait besoin. De quoi il aurait besoin. Alors effectivement, c'est la baston. Hein. Comment allez-vous? Donc c'est le petit frère, lui. C'est mon vieux... Ah non, le fils, pardon. C'est mon vieux qui vous envoie. Il se fait trop de soucis pour moi. Tout est sous contrôle ici. Mais j'apprécierais quand même un peu d'aide. Ce torrent cinglé, ça fait des années qu'il essaye de faire sauter ma machine volante. Touche pas à mon filon. Non mais regardez-moi ce chaos en bas, Goltor. J'ai ordonné aux contre-maîtres de sauver tous les artefacts qu'ils peuvent. Qui sait ce que ces sauvages de Tauren pourraient bien en faire? Pouvez-vous m'aider à maîtriser la situation? Tuez les pillards et récupérez autant d'artefacts que vous pouvez. Oh, et tant que vous y êtes, hein, retrouvez les outils que j'ai perdus. Hein. Avec quelques réparations, je pourrais remettre cette machine en état de vol. Mais de quelle machine il parle? On va voir. Feglig l'exilé. C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue, Goltor. Frigli était l'un de nos mineurs les plus rapides, jusqu'à ce qu'il tombe sur cette chose. Nous l'appelons la lame des lunes. Ça l'a changé, transformé. J'aimerais que cette chose n'ait jamais été déterrée. Figli a été banni de Bael-Modan. Mais j'ai entendu des rapports comme quoi il est revenu fouiner autour du site. Il a assez souffert, le pauvre vieux. Si vous le trouvez en bas, abrégez ses souffrances. Ah ouais, il a été transformé carrément. Ah merde. Donc la machine volante, où est-elle? Je ne vois pas sa machine dont il parlait. Je sais pas, bon, peut-être qu'elle est en bas. On va bien voir. Donc récupérons donc les artefacts qu'il y a aussi sur eux. Voilà, mais c'est que vous êtes nombreux! Vous êtes du type nombreux, quoi! Voilà, vous êtes moins nombreux d'un coup! Ok, donc eux ils sont morts. Oh, un coffre! Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé de coffre comme ça en se baladant. Ah, excellent! Alors, tenu en main. Oh non, pas tenu en main gauche! Oh! Oh, c'est marrant, c'est un. C'est un fer! Bâtonné de feu ardent. On dirait un truc chauffé à blanc, un morceau de ferraille chauffé à chauffer. Oh, c'est stylé ça, dommage. Du fer, on s'en fout. C'est dommage. Bon, on va récupérer les... Je suis encore en combat? Ah non, c'est parce que je suis dans la zone que la caméra se met automatiquement. Parce que je dézoome, mais la caméra rezoome automatiquement.
les fameux réglages que j'avais fait. D'ailleurs, je le redis encore parce que pas mal de gens posent la question dans plein de la section commentaires de plein d'épisodes de WRPG. Mais si jamais vous voulez voir tous les add-ons que j'ai et le paramétrage de tous ces add-ons, je vous invite à regarder l'épisode 4 de WRPG qui s'appelle WRPG Add-on et Interface, où on parle que de ça là-dedans. Je ne fais que expliquer les add-ons que j'ai, comment les paramétrer et tout. Panique! Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si jamais vous avez des questions sur quels add-ons j'utilise et comment les régler. Alors il n'y a qu'un seul ou deux add-ons que je n'explique pas, mais je donne un lien d'une vidéo, bon c'est en anglais mais c'est très facile à comprendre, qui explique comment gérer ces deux add-ons en question. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si jamais vous avez quelconque question que ce soit. Alors, un elfe de sang, un chasseur de démons. Ah mais qui est en train... Oh, j'aime bien sa cape. Qui est en train de faire de l'archéologie. Archéologie qu'on va se taper aussi à un moment, hein, forcément. Voyons. Je voulais regarder ce qu'on avait fait en exploration. Kalimdor. Donc... du sud. Ah, mais il nous en manque plein en fait. Il nous en manque plein de trucs en fait. Ah ouais. Il nous manque énormément de zones à explorer. Il va falloir qu'on surveille ça. Je vais le mettre en lien sur la droite. Juste là, comme ça. Comme ça, en fonction des zones, on pourra. Parce que là, là, clairement, on doit explorer ça. Là, ici, on a deux. Et le reste là. Oh, c'est bizarre. Ça nous fait pas mal de choses à explorer quand même. À moi, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est à moi. À moi, j'ai dit. Bah écoute, mon pauvre. Voilà. On a abrégé ses pauvres souffrances, hein. Donc il s'était transformé. C'est bizarre, ça. Je savais pas. Ah oui, il est trog. Il s'est transformé en trog après avoir miné et touché un truc bizarre. Bon. Écoutez. Touche pas à mon filon, voilà. Comment ça se passe au fond du trou? Quand l'attaque a commencé, j'ai désingué Sim de Pierre, le meneur. Mais il continue à arriver. Mon vieux serait fier de vous, Goltor. Maintenant, occupons-nous de rafistoler cette machine volante. Bon, t'en parles depuis tout à l'heure, hein, donc bon. Marley, acquiesce d'un air grave. Ouais, j'imagine qu'il est plus heureux maintenant. Alors désolé, je vais éternuer, je coupe. Wouh, putain. Encore celui-là, j'ai senti arriver, mais il arrivait tellement fort que ça me piquait le nez. J'étais en mode « Tchua !» Il m'a entendu le village d'à côté. Donc, ok Goltor, apportons ces artefacts à mon vieux et faisons-lui notre rapport en personne. Grâce à vous... Ah oui, attends, on va descendre la montagne là. Mon aéronef est prêt à prendre son envol. On peut y aller ensemble et se partager les lauriers, si vous voulez. Un aéronef? Faites-moi signe quand vous serez prêt à embarquer. Bah, tous les jours, je veux monter dans ton aéronef. Cet avion, c'est un avion une place. Mais vous pouvez toujours vous asseoir sur le fuselage. C'est parfaitement sûr. Mais bien sûr. Vous êtes prêts? Je suis prêt. En avant. Ah oui, non, mais ça va, en fait. Oui. Non. Accrochez-vous derrière. Les ceintures, c'est pour les mauviettes. Ah, le con. On voit le fort là-bas, on peut rentrer. On est tous très fiers de Bael Modan. C'était le premier qu'on a en Kalimdor. Ah, ça je ne savais pas. Enfin une info intéressante. Entre guillemets. Donc les nains ont cherché à s'installer ici au début. Par là-bas, c'est le donjon de Bael Dûn. Elle est pas beau, cette forteresse, elle est indestructible. Un peu comme toutes les forteresses naines, hein, j'ai envie de dire. Ah. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais que... Le donjon est attaqué! Le Gozabastille! Voilà! Oh merde! Le nain couvert d'échymose pend mollement hors du cockpit. Lorsque vous approchez de l'épave, il ouvre difficilement les yeux. Oh non! Ah! Marnay Double Nat est vivant, encore heureux! Il vous attrape par le cou d'une main tremblante et ensanglantée. Pierre, il faut... Ah, 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 il me faut de la bière.
Boyez à l'intérieur, ça devrait me retaper. Ah, voilà. La fameuse bière hein, qui fait du bien à tous les nains. On va aller la chercher de suite en courant. Vite, 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 vite. De la bière. Vite, il y a des nains qui sont emmerdés. Je pensais bien y rester. Merci. Non, mais y a pas de quoi. Wouhou. Bon, en fait, je les sauve, mais il faudrait pas les sauver. Je vais chercher la bière. Vite. T'as l'alarme qui sonne. Oh, c'est trop stylé par contre ce passage. Ah, ça c'est bien. Les quêtes, elles ont l'air vraiment cool. Là. Ah, mais du coup, j'ai la protection contre le feu. Ah, très bien, d'accord. Donc si on se met de l'eau sur la gueule, on va rentrer. Tiens, de la bière, vite! La respiration de Marley est irrégulière. Il respire, il inspire et expire en soubresauts haletants. Il vous regarde d'un air suppliant. Tiens. Les yeux de Marley se mettent à briller alors que vous accourez vers lui, une chope à la main. Il a saisi de ses mains tremblantes et la porte à ses lèvres, la mousse blanche se déversant sur sa barbe croûtée de sang. Ah! Voilà ce qu'il me fallait. De la boyeuse, merci mon ami. Vous m'avez sauvé la mise. Dans un dernier ok. Il s'affale sur le tableau de bord, démantibulé, la chope à moitié vide, roulant sur le sol et se répandant sur le sable. Son regard se trouble. Non! Marley double natte est mort. Non! Vous fermez délicatement les yeux de Marley. Quelqu'un va devoir annoncer au général Double Natte que la Horde a tué son fils unique. Ce quelqu'un, c'est vous. Non, il est mort. Oh merde. C'était sa dernière pinte. Oh, je suis trop triste. Non! Putain, je pensais que ça allait le remettre sur pied et qu'il allait. Oh, fait chier. Bienvenue! Au secours, à l'aide, faites quelque chose! Il y a encore des nains à l'intérieur, beaucoup de nains! Ils sont coincés dans les décombres, enterrés vivants! Les flammes! C'est un vrai cauchemar là-dedans! Nous ne savons pas combien de temps le toit va encore tenir! Je vous en supplie, paladin, vous devez les sauver! Dépêchez-vous d'entrer et utilisez les valves d'incendie d'urgence pour vous protéger des flammes. Vous êtes leur seul espoir. À très bientôt. Oh là 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 là, tout part en couille. Un sabotage, ça ne peut être que ça. Tout l'arsenal de la forteresse a explosé. La Horde a dû infiltrer un de ses agents dans le bâtiment. Paladin, si vous avez des tripes de rentrer dans ce brasier infernal, essayez de trouver un indice sur ceux qui ont fait le coup. Le général voudra savoir qui est le coupable. Cherchez un cadavre de la Horde dans les décombres et éclaircissez cette affaire. Putain, ça va chier. Ça va chier. Allez, allons sauver tout le monde. Et vite, il y a tellement de gens qui sont morts. Putain, mais le nain est mort. Non. On lui a amené sa dernière pinte. Fait chier. Putain, il y a un traître qui a tout fait péter là. Putain. Mais c'est l'épisode des traîtres hein. Entre la mort du général et la mort du fils de l'autre général. Mais je suis sûr que c'est l'autre. Je suis sûr que c'est l'autre. Allez, vite, vite, vite. Cassez-vous. Je sais que j'ai fini la quête, hein, mais je peux pas les laisser crever. Hein. Allez. On doit trouver un indice. Ah, là. C'est quoi, c'est un gobelin? Il y a des plans à côté en plus. Weasel, fluide d'ombre.
Au milieu du carnage, un cadavre consumé se détache des autres. Le gobelin mort serre encore les plans... Pardon. Les plans de la forteresse dans sa main inerte. Les gobelins du cartel de Baifon, ce sont eux qui ont fait le coup. Le général Double Natte voudra certainement tout savoir sur cette attaque sournoise. Vous récupérez les preuves. Allez vite, faut sortir d'ici. Sortons d'ici. Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Bah écoutez, c'est la guerre. Comment allez-vous? Vous êtes un héros, Goltor. Les rescapés et moi, nous compterons les récits de votre exploit pendant de nombreuses années. Y a pas besoin, y a pas besoin. Écoutez, survivez, c'est déjà ça. Bon, on va devoir annoncer la très mauvaise nouvelle, les très mauvaises nouvelles, hein, à notre cher général. Son fils est mort, et en plus, l'avant-poste a été détruit par les gobelins de Baifon. Quelle merde! Quelle merde! Décidément. Beaucoup de gens sont morts dans cet épisode, hein. Beaucoup de gens qu'on aimait beaucoup. Bon ben, général. Un plaisir de vous rencontrer. Double Natte doit savoir. Déjà, je lui apprends le reste. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Baldune en ruine? Des cadavres partout? Non. Non! Vous décrivez les preuves que vous avez trouvées sur le lieu du crime. Les gobelins de Baifon, vous avez dit. Si c'est la guerre qu'ils veulent, ils vont la voir. On va leur montrer ce que ça coûte de faire partie de la Horde. Je joncherai la balafre de leurs cadavres. Je rougirai la terre de leur sang. Double Natte vous empoigne par le col. Les gobelins vont mourir. Je veux voir les gobelins crever, Goltor. Juste à l'ouest, vous trouverez toute une fourmilière grouillante de ces petits insectes creusant dans la montagne. Faites en sorte que cette infâme taupinière soit leur tombeau. Éradiquez-les, dévastez toute leur sale machinerie. Ils ont semé le germe de leur pour propre destruction à Baeldune, paladin. Maintenant, il est temps de faucher. Gardez les pieds sur terre. Bon, il faut lui annoncer à un moment ou à un autre. Bon, on va dire enfermer le reste d'abord et on va lui annoncer la mauvaise nouvelle après. Il ne suffit pas de les tuer avec ce qu'ils ont fait à Baeldune. Je veux leur rendre la monnaie de leur pièce. Introduisez-vous dans la mine de Folkram et armez un des tas d'explosifs à l'intérieur. À l'entrée de la mine, vous devriez avoir une sorte d'interrupteur ou de détonateur. Une fois que les explosifs seront armés, utilisez-le pour faire sauter toute la mine. Donnez-leur la frousse de leur vie, paladin. À très bientôt. Allez. C'est parti. Mauvaise nouvelle. D'un coup d'une extrême violence, le général Double Natte enfonce profondément la lame de sa hache dans le sol. Il parle alors d'une voix calme, mais tremblante de rage et d'incrédulité. C'était mon garçon, Goltor. Mon seul garçon. Désormais, c'est personnel, paladin. Personnel. Faites un bon voyage. Oh là 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 là. Oh là là, tellement de tristesse. Waouh, là par contre, au niveau des quêtes, là on en a... Là d'un coup, waouh. Bon bah allez, vengeance, hein. C'est l'heure de semer la mort et la destruction sur ce camp des gobelins. Qui ont osé attaquer les nains. De manière la plus dégueulasse qu'ils soient en plus. Bon après c'est la guerre, nous aussi on a fait des trucs pas jolis, hein. Évidemment de notre côté, mais là quand même. Là c'est pas beau de tout faire péter, de laisser les gens cramer. Avec cette musique est tellement cool. On les massacre tous. Putain, le pauvre. Quoi? Le pauvre général, quoi. Fait chier. Putain, on a un général et un fils de général qui sont morts. Pff.
Ok, on arme comme ça, ça marche. Bien, bien, bien. En plus, il y a des gobelins à l'intérieur, hein. Vous allez vivre ce qui s'est passé. C'était un magnifique rebond, ça. Par contre, pourquoi ils se baladent avec des explosifs dans les mines? Ah, mais non, je suis con, mais oui, pour faire péter la roche. Eh oui, c'est logique. Vous avez pas aimé ce qui va se passer, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ouais, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, venez voir. Il n'y a plus que deux là-bas, voilà, on a tout ce qu'il faut. Et voilà pour le dernier, on n'a plus qu'à tout faire péter. Et ben les nains, ils ont pris un sacré coup, hein. L'alliance elle-même a pris un sacré coup. Entre la trahison de l'autre, qui pour moi est obligatoire. Et en plus, le sabotage du fort. Décidément. Décidément, décidément. Allez, on fait tout péter. Les explosifs sont armés. Vous vous protégez les yeux du souffle et des débris projetés par l'explosion alors que la mine s'effondre sur elle-même. Le général Double Natte sera satisfait, mais vous doutez que cela suffise à assouvir sa soif de vengeance. On va prendre les épaulettes, hein. Ah non, il faut qu'on lui amène évidemment la quête. Allez, j'espère que ça lui... Putain, il va tellement être vénère, il va tellement casser tout ce qui bouge là. Là, c'est la guerre. Mais la guerre en mode... La guerre. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Comme dirait Fallout. Que puis-je pour vous ? C'est chose faite. Double Natte acquiesce alors que vous décrivez la destruction de la mine, mais son regard reste empli de fureur. Très bon travail, Goltor. Je suppose que priver la Horde de ses minéraux revêt une importance stratégique. Mais je l'aurais fait de toute façon, rien que pour écraser ces espèces de punaises vertes. Portez-vous bien. Mort ? Bien. Laissons la nouvelle se répandre, et avec elle, la terreur. La Horde subira les conséquences de son attaque contre Baeldun, et elle maudira le jour où elle nous a mis en colère, Goltor. Hawthorne mort, mon propre fils assassiné. La situation dans les Tari nous échappe, Goltor. Je vais prendre le commandement de Fort Triomphe et essayer de stabiliser la situation. Mais pour ce faire, il me faut des renforts. Des renforts qui m'ont été promis par Terramor il y a des semaines de cela. Allez à Terramor dans le marécage d'Aprefrange et sonnez les cloches du capitaine Garan Vimer. À quoi bon avoir construit cette satanée route à travers les marécages si c'est pour ne pas nous envoyer d'hommes ni de matériel? Eh bien écoute, ce sera ta dernière volonté, on ira faire ça. On va aller faire ça, même si normalement, en fait dans le marécage, on avait déjà fait toutes les quêtes. Mais on va quand même aller rendre ce dernier service à ce pauvre homme. On va finir d'explorer là, de toute façon on est en fin d'épisode, donc là maintenant on va se détendre. Ça y est, on redescend un petit peu le stress, entre guillemets, le stress, tout ce truc épique qui s'est passé entre voilà, la mort de l'un, l'assassinat de l'autre, tous ces trucs voilà, qui étaient un peu tristounés. Du coup on finit l'épisode sur un chouette truc, hein, mine de rien. Je suis très content, la fin était géniale, vraiment, le fort qui se fait attaquer, ça bouge de partout, la situation change en fait, c'est ça que j'aime dans les quêtes, c'est qu'il y ait un petit peu un truc, quelque chose quoi, de l'histoire, ou alors un bouleversement total d'une zone, ou quoi que ce soit, pas juste va tuer 50 monstres, va ramasser ça, va faire ça, va faire ça, ça c'est un peu dommage quand il y a ce genre de quêtes, de quêtes FedEx hein, comme je les appelle. Donc on a terminé au fait, oui, en même temps, les Tari du Sud. La prochaine zone qu'on va aller visiter, ce sera les Hinterlands. Donc, on va pouvoir ensuite avancer un peu plus. Pourquoi je ne peux pas explorer ça, là, Kral de Trancheboge? Parce qu'il faut que je le découvre depuis l'entrée. L'entrée est là-bas. En même temps, si je fais de la merde, c'est normal, Goltor, que tu n'y arrives pas. Voilà, il ne reste que ça.
Voilà, quête de Tarid sont effectuées. Au niveau des quêtes, justement, est-ce qu'on a des quêtes ailleurs? Malteur de l'Ouest, non, et spécial. Donc, non. On a juste ces deux trucs-là qu'on fait. Kral de Tanchebol, j'ai un problème épineux. Ah non, mais ça, c'est un donjon, ça, en fait. Ah non, mais le donjon, on ne le fait pas, par contre. Le donjon, on ne le fait pas. On fait pas le donjon. Donc, oui, voilà, l'entrée est ici. L'entrée est ici. Ça a déverrouillé? Non, ça peut déverrouiller. Voilà, Kral de Tranche-Boge, c'est fait. Il nous reste donc la colline du chasseur et la halte qui sont ici, hein, la halte, la vendetta et la colline du chasseur qui sont juste en haut. Et après donc on va aller rendre la quête chez du coup voir le capitaine là-bas, qui était une femme si je dis pas de bêtises, la générale. Aller voir là-bas pour leur dire ce qui se passe, hein, que tout part en sucette en fait, hein, dans les Tarides, c'est vraiment la merde. Et ensuite on aura aux Interlands, les Interlands qui sont je ne sais plus où. Interlands, je ne sais plus. Attends, mais les Interlands, c'est côté... Mais oui, c'est côté Alliance, Interlands, c'est par là. Et voilà, très bien. Ah ben, on va retourner côté Alliance. On va retourner côté Alliance. Très bien, ça marche. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai mis ma liste. Hein. Ma liste a été faite par rapport au niveau. C'est-à-dire, j'ai pris à chaque fois le niveau le plus bas nécessaire pour pouvoir rentrer dans la zone. Et je les ai mis dans l'ordre, hein, tout simplement, du plus petit au, petit grand, au plus grand. Donc après les Interlands, on ira au Malter de l'Ouest, Feralast, Est, Gangrobois, Millepointe, Ingrat, Tanaris, Vent Brûlant, Steppe Ardente, Un'Gorro, Berceau de l'Hiver, Marais des Chagrins, Terre Foudroyée, et enfin Silithus. Et après on pourra passer... on pourra passer donc... en Outre-Terre, voilà, voilà. Donc on a quand même beaucoup de choses encore à faire, hein. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas fini, loin de là. Ah, par contre, on va se taper un méga détour, on va faire ça vraiment? Oh, j'aurais dû partir à droite et après revenir par là. Oh, c'est pas grave, on s'en fout, on papote un peu pépère comme ça, on est tranquille. On n'est pas pressé, on n'est pas là pour rusher. Mais par contre, je pense que je vais faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tourner le prochain épisode de nuit. Parce que j'aime trop en fait quand tout est de nuit, c'est vraiment stylé. En plus, l'Interland, c'est une zone qui est pas dégueu. Donc on pourrait voir un truc sympa de nuit. Donc je pense que je vais faire ça. Là je risque de tourner du Mass Effect, du Fallout. Et les fameux jeux vieux jeux, c'est mystérieux. Je vais essayer d'en faire un peu. J'ai beaucoup de choses à tourner aujourd'hui. Mais bon, je suis motivé, je suis en forme. Voilà, j'ai repris du poil de la bête, hein. Il ne faut pas beaucoup de temps pour revenir en forme, on va dire. Et donc là, ça y est, le peps revient. Et donc le tournage revient aussi. Gisement de fer, non. Même si les épisodes que je vais tourner là, vous le verrez que... que plus tard, hein, parce qu'il nous reste encore un épisode de WoW après celui-ci, ce sera la prochaine vidéo. Et enfin, après la prochaine vidéo, à ce moment-là, on reprendra le rythme habituel où on mélangera un petit peu de tout. Parce que la variété, c'est cool. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout regarder, hein, cette série, hein, de WoRPG. Et je, voilà, chacun ses trucs, c'est aucun souci là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça, hein, en plus que je fais plusieurs vidéos, j'en avais déjà parlé, mais aussi pour moi-même, parce que j'adore faire de tout, j'adore jouer à plein de jeux. Même si là, ce petit, cette fin de zone là m'a vraiment hypé pour la suite. Non, c'est pas par là. Comme je voyais des petits trucs là, je me suis dit... Mais bon, hypé pour la suite, j'ai envie de dire. Oui et non, vu que là, là il n'y a rien de plus pour l'instant dans cette zone. Cette zone s'est faite défoncer, voilà. Elle échappe à l'Alliance, hein, c'est triste à dire, mais l'Alliance perd le contrôle de cette zone, clairement. Perdre un général et un fils de général, c'est monstrueux, hein. Deux zones en moins, enfin deux hommes de grande, voilà, des meneurs en moins, c'est très très, voilà, il reste plus qu'un général dans cette zone-là. Et on peut pas envoyer des générales à tour de bras non plus, faut pas déconner. Donc voilà, la zone est découverte, parfait. Allez, on a plus qu'à rendre la quête avec le monsieur là-bas, enfin le monsieur. Ah non, c'est une femme, je croyais que c'était une, enfin c'est un homme, je croyais que c'était une femme qui avait là-bas, il me semblait. Il y avait beaucoup de chefs, ah, mais tiens, on va longer la... Voilà, on va longer la faille. On va se mettre en caméra qui fait plaisir. Voilà, et on y va comme ça. Oh, c'est tellement stylé quand même. On a beau dire ce qu'on veut, hein, mais wow, hein, voilà. Regardez-moi ça, quoi.
Bon, j'ai pas parlé, mais voilà, c'était l'instant, voilà. Alors, je fais Wikora, bien sûr. L'instant orgasme visuel. On s'est fait plaisir en suivant toute la balafre avec la lave. Avec la bonne caméra qui fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de caméra qui fait plaisir, il faut que je m'attaque aussi au donjon. J'ai trop de choses, trop de vidéos à faire. On s'attaquait à trop de choses en même temps. Ça va se faire, évidemment, hein, ça va se faire, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de gens attendent certaines vidéos, d'autres. Mais que voulez-vous, comme je vous l'ai dit, j'aime jouer à plein de jeux, donc du coup, voilà. Et en plus, comme j'ai plein d'idées qui me viennent, je me dis, ah, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça, et puis on commence un truc, puis on commence un autre, puis on commence encore un autre, puis on commence. Et à la fin, t'es en mode, ah, c'est la panique, il y a trop de choses. Trop de choses à faire en même temps. Ah mais non, mais c'était pas ici, ça c'était le... Ah oui, non, mais non, ça c'était, voilà, ici, là où il y avait toutes les femmes qui étaient chefs. Mais nous, on doit aller plus loin, on doit aller dans le comment ça s'appelle? Dans le marécage, directement. Pour aller dans ce... Oui, l'île de Terramort. Et oui, c'est un autre endroit. J'avais confondu avec le fort, ici. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc après ça, je me téléporterai directement côté Alliance. J'utiliserai la TP pour me rendre. J'ai mis la pierre où? À la taverne, évidemment, comme chez les nains. Je vais pouvoir poser aussi tout ce bordel. Tiens, ça, je l'ai pour toujours, ça. C'est abusé, ça, si je l'ai pour toujours. Après, si c'est une utilisation unique, on va voir. Parce que ça, c'est un objet de quête. Mais apparemment, je l'ai encore sur moi. Bon. On va bien voir. On va bien voir. Après 4h30 de vol. Terramort. Température 27 degrés. Faites attention aux hordes qui se baladent. Alors voyons, est-ce que je peux boire cette potion de manière infinie? Ah, vous n'êtes pas dans la bonne région. Allez, ok, bon, ça dégage. Allez. Au rapport. Non. Mais. Ah oui, non, mais oui, voilà. Je suis con. J'étais en train de me dire, attends, mais c'est pas le bon endroit, normalement. Il y a une. Voilà, mais c'était la pente de l'autre côté. Ah oui, avec le trésorier qui était ici. Le banquier, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il y a la banque ici. Mais moi, il faudrait la banque. Voilà, la banque. La banque de guilde, en fait, pour poser tout ce bordel. Alors, capitaine, c'est la merde, hein. Un plaisir de vous. Les renforts de Terramort. Qu'est-ce qu'il y a encore, soldat? Des renforts? Pour les Tarides? Mais ça fait des mois que j'expédie continuellement mes hommes et du matériel. Est-ce que quelqu'un rafraîchit... Est-ce qu'il faut que quelqu'un rafraîchisse la mémoire à Double Natte à propos de l'attaque de Quai du Nord et de nos pertes au séjour de l'honneur? Et qu'est-il arrivé aux hommes que j'ai envoyés à Fort Triomphe? Nous n'avons plus rien à donner. Écoutez, Goltor. Si vous voulez servir notre cause, vous feriez mieux de vous rendre utile ici, à Profrange. Entre les déserteurs et la horde qui nous envahit, on aurait bien besoin d'un coup de main. Pour l'Alliance. Bah écoute... C'est déjà fait, on t'a déjà aidé hein, avec la fameuse auberge qui avait été cramée, avec des mecs qui étaient morts à l'intérieur, on avait récupéré des insignes, puis on avait vu que c'était un tauren, enfin bref, il y a pas mal de trucs. Je me rappelle de cette suite de quêtes qui était pas mal, hein, il y avait pas mal de trucs intéressants dans la région. Intéressants dans la région. Et bien voilà les amis, donc c'est terminé, cet épisode se finit là, on a eu des belles choses, des très très belles choses, surtout la fin, le début était un peu moyen, début, milieu, c'était bof, et après on a commencé à parler au général Double Natte, puis après voilà, on a vu tout ce qui s'est passé, et là c'est devenu vraiment sympa, avec l'attaque du fort, enfin tout ce qui s'en est suivi, et malheureusement, la mort de son fils. Écoutez, que voulez-vous, c'est la guerre, hein, c'est ça, on peut pas toujours gagner, hein. Des fois c'est la Horde, des fois c'est l'Alliance, là, pour l'occurrence, hein, en l'occurrence, c'est vraiment la Horde qui a gagné, mais terriblement dans cette zone, de toute façon c'est son territoire, hein, j'ai envie de dire, hein.
C'est pas compliqué pour elle d'attaquer parce que elle a un petit peu la capitale ici. Hein. Il y a les taurennes qui sont là. Il y a les trolls. Donc il y a vraiment beaucoup de races qui sont ici, qui peuvent facilement tout prendre parce qu'ils ont leur capitale dans la région. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien, rendez-vous dans le prochain épisode. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté Alliance. Donc, je le rappelle, on ira dans les Interlands. Sur cette TP magnifique que je vais lancer, je vous dis à plus. À la prochaine, bye bye les amis, ciao ciao. Nion, 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 nion. Tellement stylé. Allez, ciao.